Objet nombre SCP-178. Lunettes 3D. Classe Euclide. Procédure de confinement spécial, SCP-178 doit être conservé dans un conteneur pour objets anormaux de classe 3 gardé par pas moins de 2 membres armés du personnel de niveau 3 quand aucun test n'est en cours. L'objet ne peut quitter le conteneur qu'avec la permission écrite d'un membre du personnel de niveau 4 ou plus. Après l'incident nombre 178-14 Alpha, toutes les expériences devront être surveillées à distance et la présence dans la zone d'expérimentation de tout membre du personnel hormis les sujets de test est expressément interdite. Description : SCP-178 est une paire de lunettes blanches stéréoscopiques 3D avec une monture rectangulaire en carton blanc et de lentilles transparentes en plastique bleu et rouge, les lentilles gauche et droite, respectivement. L'objet ne montre aucune particularité physique inhabituelle excepté une légère décoloration du carton due à son âge. Lorsqu'il est porté, le porteur perçoit de grandes entités bipèdes en plus de ce qu'il voit normalement. Les entités possèdent un comportement docile et occasionnellement curieux. Les rapports présentent des entités se penchant par-dessus l'épaule de personnes travaillant et les regardant avec intérêt, à l'exception d'une seule. Toute tentative par le porteur ou tout autre membre du personnel voir le rapport d'incident nombre 178-14 Alpha D interagir directement avec les entités résultera en de sévères lacérations apparaissant soudainement sur les personnes concernées. L'apparition des lacérations est rapide et continue jusqu'au moment où le porteur meurt. Le motif des lacérations est toujours le même et se compose de 3 lacérations parallèles effectuées à l'aide d'objets tranchants et effilés de longueur variant entre 14,2 et 27,4 cm et d'une épaisseur variant entre 2,9 et 8,1 cm. Les outils d'enregistrement et de mesure utilisés durant les tests ont échoué à détecter des anomalies, même lorsque les lacérations apparaissaient sur le corps du des sujets. Les sujets n'ont pas déclaré avoir entendu de son émanant des entités. Des observations sur le long terme de sujets exposés à l'objet ne montrent aucun effet persistant. Les images stéréoscopiques observées grâce à l'objet apparaissent en 3 dimensions. Addendum nombre 1, l'objet a été retrouvé le 19A, au Tennessee, par l'agent supprimé, opérant sous couverture dans l'organisme fédéral US. Fish and Wildlife Service, qui est arrivé dans la ville après avoir reçu des rapports à propos d'une jeune enfant de 1 retrouvée morte dans sa chambre du premier étage à l'issue de mutilations inhabituelles. L'agent supprimé a retrouvé une image stéréoscopique de grande roue couverte de sang à côté de l'endroit où l'enfant a été découvert et, après quelques recherches, il trouva l'objet sous le lit de l'enfant où il a probablement été jeté durant son agonie. L'agent supprimé a ensuite appelé une équipe pour venir sur place. À l'arrivée de l'équipe, l'agent supprimé enfila les lunettes et regarda l'image, ne remarquant rien d'anormal jusqu'à qu'il tourna la tête vers la gauche, après quoi il vit une entité à approximativement 1 pouce de son visage, regardant l'image stéréoscopique par-dessus son épaule. Durant le débriefing, l'agent supprimé déclara aussi avoir vu plusieurs autres entités dans la pièce observant l'équipe. L'agent supprimé n'a pas essayé d'entrer en contact avec les entités et l'objet fut récupéré sans incident. Addendum nombre 2, toutes les expériences doivent être répertoriées dans le fichier nombre 178E. Addendum nombre 3, le membre du personnel de niveau 4 sont invités à lire le rapport d'incident nombre 178-14 Alpha. Il est obligatoire de lire le rapport d'incident nombre 178-14 Alpha pour les membres du personnel de niveau 4 ou plus supervisant ou approuvant des expériences sur l'objet. Attention, le non-respect de l'addendum nombre 3 est passible de mesures disciplinaires. Don't get closer, agitate. SCP-178. Species with a heavy weight. SCP-178. Before it is too late, unequipped, don't hesitate. SCP-178.